Écoute, si une personne se convertit à l'islam, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la première question, le premier conseil que je lui donnerais, c'est ça, c'est de ne pas oublier, en fait, si tu veux, que cette religion, elle est là essentiellement pour que tu puisses atteindre une certaine sérénité, une paix intérieure. Elle n'est pas là pour, comment dirais-je, pour te donner un code civil de la manière dont tu dois régir ta vie. Ça veut dire, fais ceci comme cela, fais ceci comme cela. Je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent plus l'essence de la religion. C'est quoi l'objectif d'une religion? L'objectif d'une religion, c'est pas te donner un code pour te dire ceci est licite, ceci est illicite. Alors cela ne veut pas dire que tu ne dois pas respecter ces codes. Tu dois les respecter. Mais tu dois jamais oublier que le respect de ces codes ont un objectif qui est de faire de toi quelqu'un de plus conscient, quelqu'un de plus proche. Et cette proximité divine a pour conséquence une paix intérieure. Si cette religion ne t'entraîne pas petit à petit, avec des hauts et des bas, avec des hauts et des bas, bien sûr, ne t'entraîne pas sur cette voie-là, revois ta copie. Tu comprends? C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de remettre les choses en place. C'est un peu de remettre le puzzle dans l'ordre, en fait. Tu vois? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi l'objectif d'une religion? Et une fois que la personne comprend l'objectif d'une religion, alors tu dois la laisser vivre son expérience. Mais tout en lui rappelant que l'objectif d'une religion, c'est avant tout qu'est-ce qu'elle fait de toi. C'est pas le fait que tu respectes quelque chose ou pas. Ça, c'est secondaire. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle fait de toi? Est-ce qu'elle fait de toi quelqu'un de plus en paix? Est-ce qu'elle fait de toi quelqu'un de meilleur? Est-ce qu'elle donne la meilleure version de toi-même? Ou est-ce que finalement, elle ne fait de toi que quelqu'un qui respecte juste un autre code? Tu vois? C'est ça la question. Voilà moi le conseil que je donnerais aux gens. C'est de vraiment remettre les choses dans l'ordre quand ils se convertissent à une religion. L'objectif d'une religion, c'est de faire de toi quelqu'un de bon et quelqu'un qui, par justement cette ascension de ta conscience, tu puisses atteindre une proximité avec ton Seigneur. C'est tout. C'est ça l'objectif d'une religion. Tu vois? Voilà.